Bon. Alors là, je vais faire mes bûches. Préparation. Là, j'ai la crème pâtissière. La génoise. Les poches, les douilles. Les plats pour mettre la crème. Trois plats. L'ingrédient. La mombeur. Donc là, je vais attaquer ma crème au beurre. Donc là, je ramollis mon beurre. Je serai temps que ce soit bien lisse, bien ramolli. Ça peut durer presque un quart d'heure. Ça dépend de la température. Je vais faire un plat de crème blanche pour faire la déco. Je vais faire un plat pour le chocolat. En France, en Europe et dans le monde, la pétrole sucrée. La crème au chocolat. Pour le plaisir du sucre et l'énergie du bioéthanol. La pétrole sucrée, ici et ailleurs, est dispensable. Et un plat pour le café. Donc le blanc, on a fait. Et je vais couper en bande. Peut enfin démarrer sa tournée. Dans son véhicule aujourd'hui, pas moins d'une soixantaine de colis à livrer. Alors forcément, les présentations sont un peu répétitives. Bonjour, j'ai un paquet. J'ai un paquet. Sud-Ouest, la SNCF attend 1 600 000 voyageurs pendant ce week-end dans les gares et plus de 2 000 trains seront en circulation. Et puis dans les aéroports, pour faire le tour complet, la grève des forces de sûreté est maintenant son 8e jour, alors que de nouvelles négociations sont en cours. Donc vous couvrez votre bûche avec votre crème. Voilà. Pour récupérer des petits morceaux de génoise, vous mettez un petit morceau là. Alors, côté des patients
Sébastien Fouquet et Henri Palamar sont allés ce matin dans un cabinet médical à Toulon. C'est l'effervescence dans ce cabinet médical depuis 5 ans. Tu mettais un petit peu de crème dessus. Le point d'encourager à l'explantation des prothèses mammaires fait son effet. Pour le coller. Le chirurgien a plus de 630 patients concernés. On a beaucoup de demandes et puis ma consultation est envahie par ces patientes qui, c'est logique, viennent me revoir et tant mieux. Et elles sont affolées, mais bon, allez pour rassurer. Pour Corienne, présidente de l'association des victimes des implantations défectueuses, l'annonce est perçue. Je suis allée quand je vous vois le journal du matin et que vous me disiez que les femmes qui portent la même prothèse que vous est morte de cancer, je finissais par vous poser des questions aussi. Mais après, il faut garder un peu de distance. Vous prenez de la crème blanche, vanille. Selon les experts, elle devrait être une majorité à suivre les recommandations du ministère de la Santé. Il y a des problèmes, il y en a avec ce que la prothèse. Bon, là, celle-là, peut-être plus qu'avec d'autres, mais vraiment, je ne suis pas sûre que. Alors, une douille ronde. Il n'y a pas d'urgence à se faire opérer. Donc là. Et si les victimes jugent satisfaisante cette explantation remboursée, elles se demandent comment financer une réimplantation d'une prothèse. Un petit peu de crème marron. Donc là, alors le centre, comme la bûche, c'est une bûche marron, on va faire le centre marron. Pareil pour les embouts. Avec le blanc. Vous faites le tour. Paris là, qui est l'incarnation de la culture européenne et de la réunification européenne. Sans profiter de l'avion du chef de l'État, un candidat déclaré à la présidentielle a lui aussi voulu rendre hommage à la Clavavel. Et c'était en même temps une des figures de la nouvelle Europe. Bon, avec la bûche dentée. Pour faire l'écorce. C'est pas grave, vous recouvrez le blanc. Le soir de Noël aussi. Il y a longtemps, on n'avait pas vu Christophe pour les étangs. Nous, on a même
Je vais la mettre au frais pour qu'elle durcisse. Le couteau est bien chaud, normalement ça devrait bien se couper. Voilà, les deux sont faits. On va dépasser, on va décorer maintenant. Donc je vais prendre la bûche, la mettre sur un autre plafond. Donc on va faire le lier. Une douille avec un petit rond, petit trou. On va voir ce que donne les bûches finies.